Direct your front door. Qu'est-ce qu'il m'écrit, ça veut dire? Vérifiez votre porte d'entrée. Les gars, il y a une enveloppe là. Waouh. Les gars, vous croirez jamais ce qu'il y a dans cette enveloppe. Yo les man, j'espère vous allez bien. Parce que moi, c'est la forme. Yeah les gars, comment ça va? Eh, ça fait trop plaisir de vous retrouver les gars, vous m'aviez manqué, vous pouvez pas savoir. Eh les gars, aujourd'hui pour nos retrouvailles, on va tester un nouveau challenge qui fait pas mal parler de lui sur le dark web. C'est le Squid Game Challenge. Alors pour ceux qui savent pas ce que c'est que le Squid Game Challenge, c'est très simple. C'est un challenge basé sur la série Netflix qui cartonne partout en ce moment. Le but, c'est de contacter sur les réseaux sociaux des profils à l'effigie des gardiens en rouge qu'on peut voir dans la série pour essayer de se faire inviter et même participer au jeu Squid Game. Parce que comme j'ai pu le lire sur le dark web, il y aurait en ce moment en Corée une organisation pas très nette qui, à cause de l'engouement autour de la série, aurait décidé de reproduire les jeux Squid Games dans la vraie vie, à la seule différence que si vous vous faites éliminer, vous perdez pas la vie, on vous prélève des organes. Ah, c'est des bails chelous, hein, je vous préviens. On va pas se mentir, moi perso je pense que c'est des conneries, bien évidemment que tout ça c'est juste du troll et que 99% des profils qu'on peut voir sur Facebook ou sur Twitter, ils ont été créés par des gens Kevin qui sont fans de la série, mais sait-on jamais? Dans le doute, on va quand même vérifier, vous en pensez quoi? Pour en avoir le cœur net et pour savoir si cette organisation existe réellement, on va essayer de rentrer en contact avec elle et on va le faire tout de suite. Alors, comme vous l'aurez compris dans cette vidéo, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller parler à un gardien rouge et on va voir ce qui se passe quand on le contacte. Avant que la vidéo commence, comme d'habitude, si tu kiffes ma chaîne et que tu veux me soutenir dans mon aventure sur YouTube, t'as juste à cliquer sur le petit bouton s'abonner qui est juste là en bas, ça te prend 2 secondes et moi, ça me soutient de ouf dans mon aventure sur YouTube. Et si t'as encore un petit peu de gentillesse en toi, eh ben tu peux encore faire un autre truc pour moi, tu cliques juste sur le petit bouton like, c'est gratuit, ça prend aussi 2 secondes et moi, ça me motive de malade pour continuer les vidéos sur la chaîne. Alors les gars, apparemment, pour être contacté par un garde rouge, de ce que j'ai pu lire sur les forums du dark web, il faut d'abord se rendre sur sa page sur un réseau social, donc que ce soit sur Twitter ou que ce soit sur Facebook. Et il faut simplement commenter un de ses messages en mettant 456. Alors, je l'ai fait sur une 30aine de pages et on va pas se mentir, ça a rien donné. Jusque hier, j'avais vraiment 0 résultat. Mais hier, en l'occurrence, j'ai reçu un message privé, les gars. Le message, il me dit « Welcome to the game. Please select a figure between 1 and 9. » Donc déjà, je parle pas super bien anglais, frérot, tu sais, donc c'est mal engagé. Mais ce qu'on va faire, c'est que je vais aller sur Google Traduction directement pour traduire ça en français. Alors, ce qui m'a marqué, ça veut dire « Bienvenue dans le jeu. » Veuillez choisir un nombre entre 1 et 9. Alors, je vais lui envoyer une réponse. Bah, au pif, hein, je vais choisir le chiffre 2. Voilà. Donc, je vais marquer I choose 2. Par contre, c'est bizarre parce que je vois pas trop pourquoi il veut me faire choisir un chiffre en vérité. Peut-être que ça a un rapport avec le jeu et suivant le chiffre que je lui donne, je serai dans telle ou telle équipe. Je sais pas, en tout cas, le fait dès la première question de pas savoir ce qui se passe, déjà je trouve ça super flippant. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez les gars, qu'est-ce que vous auriez répondu à ma place? Ouais, je suis curieux de vous lire. Ah, c'est bon les gars, il vient de me répondre. Alors il me marque. Base dans your reply. Your reward for entering the game is set to 2000 EUR, donc ça veut dire euro. Do you wish to continue? Ok, Google Traduction. Ok, donc ça veut dire, sur la base de votre réponse, votre récompense pour votre entrée dans le jeu est fixée à 2000 euros. Souhaitez-vous continuer? What? Mais lol! Eh bah vas-y cousin, bien sûr que je vais prendre tes 2000 balles. Attends. Vas-y. Eh attends. Eh j'ai répondu 2. Et il me donne 2000 euros. 2000. Donc ça veut dire que... Non mais comment je suis teubé? Eh j'aurais dû lui dire 9, j'aurais pris 9000 balles. Non. Eh venez les gars, je lui dis que j'ai changé d'avis et finalement je choisis 9. On va voir ce qu'il dit. Ah, vas-y, je traduis. No. In the final, I want to choose number 9, not number 2, please. Eh, on sait jamais, hein, sur un malentendu, ça peut marcher, les gars. Ouais, on va voir ce qu'il répond. Ah bah, il répond direct. Sorry,
You can. Ok, bah, je vais mettre ça dans Google Traduction parce que je comprends toujours pas. Ok, alors il marque sorry, you cannot change anymore. Do you wish to continue? Ah, ce qui veut dire désolé, vous ne pouvez plus changer. Souhaitez-vous continuer? Ah, évidemment. Eh, c'est un petit malin. Ah, désolé. Bon, j'ai tenté, hein, vous avez vu, les gars. Eh, c'est un petit sagouin, il refuse. Hein, c'était sûr. Je suis deck, j'aurais pu lui taxer 9 000 € en vérité, quoi. Bon, pour le moment, j'ai toujours pas vu la couleur de son argent. Hein, donc, il peut me dire ce qu'il veut. Les promesses n'engagent que ceux qui les croient, les gars. Retenez bien ça, ça va vous servir dans la vie. Bon, les gars, par contre, ça fait 2 fois qu'il me demande si je veux jouer. Donc, je suppose que c'est comme dans la série. Et que je peux encore faire machine arrière. Tant que je lui ai pas dit que je veux jouer, je peux encore faire machine arrière et bah sauver mon petit pelage, tu vois. Parce que mes organes, j'ai pas trop envie qu'ils soient extraits de ma cage thoraxique en vérité, tu vois. Donc, si je pouvais les garder, ça m'arrangerait fortement. Je vais lui demander où sont les 2 000 €. Parce que pour l'instant, ça parle, mais y a rien de concret, hein. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, les gars. Est-ce que vous pensez que je parle réellement à un gardien rouge de la série Squid Game? Ou est-ce que vous pensez que c'est du foutage et que c'est un Jean-Michel qui me fait un prank, quoi? Je vais lui marquer « Where is the money ?» Ça veut dire « Où est l'argent ?» Non, et puis vide-moi, vous savez quoi? J'en ai marre de lui marquer ça en anglais, je vais lui marquer directement en français. Comme ça, c'est bon. Il a qu'à faire comme moi, il a qu'à traduire un petit peu sur Google Traduction, là aussi. Il est feignant, celui-là. Allez, « Où est l'argent ?» Voilà. Comme ça, on va voir ce qu'il va me répondre. Mais avant d'aller plus loin avec lui, s'il veut me prouver que c'est pas un guignol, je veux une preuve qu'il est bien celui qui prétend être. Ah, c'est bon, les gars, j'ai reçu une réponse. Check your front door. Ok, Google Traduction, ça veut dire quoi? Oh, les gars, attendez. Ce qu'il m'écrit, ça veut dire vérifier votre porte d'entrée. Non, c'est un malade, lui, c'est un fou. Vérifier ma porte d'entrée, comment ça? Ça veut dire à tout moment il est là? Non, j'ai juré, c'est des trucs chelous. Non, j'aime pas les délires comme ça en vérité là. C'est hyper creepy là. Sérieux, j'ai juré, je suis pas bien là. C'est creepy à la moitié, les gars. Waouh, eh. C'est quoi, vide-moi, je vais prendre une batte de baseball ou un truc comme ça, je vais ouvrir la porte, mais là je suis pas serein. Bah, j'y vais, les gars. Je vais ouvrir. Les gars, c'est quoi ce truc? Les gars, il y a une enveloppe là. Waouh, c'est quoi le délire? Les gars, je flippe au taquet là. Maximum de soutien pour moi, s'il vous plaît. Dans les commentaires, mettez soutien pour Jounet. Et vous mettez aussi un petit like sur la vidéo. Parce que là, je suis vraiment, vraiment pas bien du tout. Je flippe au taquet. Non. Les gars, vous croirez jamais ce qu'il y a dans cette enveloppe. Les gars, j'ai juré, regardez, dans l'enveloppe, il y a masse de billets de 20 €. J'ai jamais vu autant d'argent, les gars. Non, c'est un truc de dingue. Waouh. Je vais compter pour voir combien il y a. Les gars, il m'envoie un message. I guess you found my little gift. Do you want to continue playing? Je suppose que tu as trouvé mon petit cadeau. Veux-tu continuer à jouer? Wow, les gars, je suis pas bien. Les gars, ça veut dire... Non, c'est des bails chelous, les gars. Ça veut dire déjà, il est au courant de mon adresse. Il sait où j'habite. Il sait me localiser. Il est venu devant ma porte. C'est un psychopathe, les gars. Je suis pas bien. Les gars, qu'est-ce que je fais? Dites-moi dans les commentaires si vous pensez que je dois continuer à jouer avec lui ou si vous pensez que je dois m'arrêter là. Parce que là, en vérité, je sais pas quoi faire, les gars. Je suis perdu. J'ai vraiment, vraiment besoin de votre aide. Maximum de soutien pour moi, les gars. J'attends vos retours dans les commentaires. Surtout, je compte sur vous, les gars. Peace.